Et bonjour, allez, aujourd'hui exercice super simple, un crayon de papier, un crayon gomme et un petit coton-tige. Alors, première étape, on va faire un petit rectangle tout ombragé. Si vous n'avez pas de 3B au niveau du crayon, vous pouvez prendre un HB, un 2B, ça ira pareil. Juste là, moi j'ai un crayon un petit peu plus gras. Et j'obtiendrai un ombrage plus rapide que vous si vous utilisez un HB ou un 2B. Ok, on prend son temps, on fluidifie bien la chose. S'il faut, on croise un petit coup les couches, on sature bien son papier et on essaie d'avoir un ombrage super homogène. Voilà, on souffle un petit coup sur son papier, on enlève les petites poussières. Deuxième étape, on va prendre son crayon gomme et on va dessiner une petite forme. Allez, là on va partir avec une petite goutte, un petit rond. Donc suivant le crayon que vous utilisez, ça risque d'être un peu plus long à gommer. Donc on insiste, on passe plusieurs fois. Pour enlever les petites pelures, on souffle. Ou on tamponne avec sa gomme, on passe pas la main, sinon vous allez tout faire baver votre crayon de papier et ça va être un beau bordel. Voilà, on s'entraîne comme ça, on fait plein de petits ronds, on essaie d'avoir un rond général bien rond. On pense à bien nettoyer l'intérieur de notre rond aussi. Ça va, j'ai fait un petit contrôle à la caméra. Vu que je dessine un petit peu sur le côté, je suis pas pile poil au-dessus de mon dessin. Impec. Allez, deuxième étape. Moi, je vais gommer un petit, gommer, tailler un petit coup mon crayon. Alors, deuxième étape, on va foncer le côté gauche de notre petite perle. Notre petite bille, de notre petite goutte, comme vous voulez. Alors là, on fait un trait relativement noir. On essaye de faire un bel arrondi. C'est un très bon exercice pour apprendre à faire un rond ou des petites courbes. De ce trait, après on va tirer un petit ombrage sur le côté gauche encore une fois et on essaye d'avoir quelque chose de très fluide et de ne plus voir notre contour noir. Voilà, s'il faut on tire assez loin. Balaye dans les deux sens, on sature bien son papier. Alors, deuxième étape. On va finir le rond. Avec un trait pas trop marqué mais un petit peu quand même. On finit notre perle et de ce trait on va faire un petit ombrage très léger à l'intérieur. On n'insiste pas trop, ombrage très léger. On remonte un petit peu là-haut aussi. Et voilà. Après, on va prendre le coton-tige. Et on va venir fluidifier tout ça. On peut appuyer un petit peu quand même. À plus on appuie, à plus ça va être fluide. Voilà. C'est comme si on avait utilisé une estompe. Si vous avez des estompes, prenez une estompe, ça ira très bien aussi.
Après, là, c'est la petite astuce du coton-tige pour ceux qui n'ont pas d'estompe à la maison. Allez, petit nettoyage de gomme. On contrôle qu'elle est bien propre. Et là, on va faire ça, en fait, là. On a notre perle. Et avec la gomme, je vais venir faire ça, en fait. Comme s'il y avait deux petites lumières dans l'ombrage. J'aurais dû dessiner un peu plus gros quand même. Ça aurait été pas mal. Alors moi je vais refaire juste un petit ombrage très léger pour marquer un petit peu mieux. Voilà. Si vous avez un crayon de couleur blanc, vous pouvez venir mettre un petit coup de blanc dedans. Histoire de choper un petit peu de blanc. Ceux qui ont des Posca, un petit coup de Posca au pire, c'est cool. Et là, du coup, on obtient une petite perle avec un petit volume. Tout simplement avec un ombrage, un crayon gomme et un coton-tige.